La crise chamboule le monde du travail. Elle remet en cause les cadres sur lesquels notre droit du travail et nos systèmes de sécurité sociale sont établis. Modification de nos repères, perte de sens, recours massif au télétravail, mise au chômage, inégalité entre les métiers ou les secteurs, tous ces enjeux appellent des réponses. L'objectif est de pouvoir bâtir un nouveau contrat social et de faire émerger un monde du travail plus solidaire, en phase avec les enjeux sociaux et écologiques de notre siècle. Pour bâtir un nouveau monde, il faut redessiner la carte, repenser les frontières et prendre en compte un territoire encore méconnu, mais vastement peuplé. Celui que certains qualifient de zone grise de l'emploi. De qui parle-t-on ? Des travailleurs et travailleuses au projet, des freelance, des entrepreneurs et autres profils qualifiés d'atypiques. Tous les secteurs sont concernés par le travail autonome. Art, culture, informatique, audiovisuel, service à la personne, livraison, communication. Le travail autonome, c'est un peu le rêve américain. Certaines entreprises aiment en tout cas vous le faire croire. Les ubéristes en particulier conçoivent cette manière de travailler comme l'eldorado du travail. Liberté dans les horaires, liberté dans les tarifs, liberté de choisir ses clients. Libre, oui, mais à quel point et à quel prix ? Ces personnes bénéficient-elles toujours des mêmes droits que les autres travailleurs, de la même protection ? La réponse est non. La crise sanitaire jette un véritable coup de projecteur sur ces travailleurs. Certains se sont retrouvés, du jour au lendemain, sans revenus, sans accès aux dispositifs d'aide publique. Il n'est plus possible d'ignorer cette évolution majeure du monde du travail. C'est une question de justice sociale. Chez Smart, c'est un sujet qui nous anime depuis longtemps. Nous aimons à croire que les réponses sont plurielles, qu'elles émanent de l'intelligence collective. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font les politiques, qui participent à notre économie et à notre organisation sociale. Nous leur donnerons la parole pour les entendre sur différents points. Le regard qu'ils portent sur le monde du travail et les conséquences de la crise pour les travailleurs autonomes. Les pistes de solutions pour que demain, ces personnes puissent aussi faire partie du nouveau contrat social. Mesdames, messieurs, vous avez la parole.